Ils sont plusieurs centaines de milliers tous les jours sur le sol d'Haïti, ces enfants en quête de mieux-être. Tidjo, de son vrai nom Jeff-Pierre Jefferson Jean-Baptiste, est conteur et pas des moindres. Pourquoi la construction du Fort Jacques, ses dimensions, son histoire? Tout y est dans la petite tête de Tidjo, en créole bien sûr. Le Fort Jacques là, il y a des forts. Ça lui-même c'est Fort Jacques, Fort Alexandre sur l'autre montagne. Fort Alexandre lui-même il va finir achevé à cause de la mort de Dessalines en 1806. Ouais, j'ai gagné un réservoir de fort qui était mesuré 16 pieds de profondeur. Il était gagné 8 pieds de l'eau, 8 pieds de déchets. J'aime tout déchets, il n'y a pas pour nous, m'dou. Fatra. En fond, c'est m'dou là. 16 pieds ça, soit peut valer le mettre là-bas 5 mètres 20. L'époque ça pour réservoir, ça te cap prendre l'eau, tout parti fort, te cap couvrir en ardoise. Ouais, j'ai une époque ça, et trois pays étaient dans la guerre. C'était l'Espagne, la France, l'Angleterre. L'Espagne lui-même était mandat avec son guerre. Les mondes d'Haïti qui tous amis gagnent, Haïti des ambas là les flèches et pour l'ambi. L'espace c'est tout dictionnaire appareil, les coups contre flèches, mais il va quand qu'est-ce que ça veut dire pour l'ambi. Arriver le Haïti pour la victoire. Mais vraiment que pour l'ambi, c'est pas ton amnité, si on siffle en sorte de rassemblement. Leur souffler, le partisan rassemblé, mais si on boit tout le pape campé. L'époque ça va être garde de communication, et lui aussi représenté comme garde de communication. Quand l'époque ça la mère a été pipée, et elle passe qu'à de l'altéré. Pas de machine à gagner l'hélicoptère et pas bateau fossé au tricon apparaît. Gros tunnel qui relie des forts, Fort Jacques et Alexandre. Tu as passé dans le tunnel ça pour aller Fort Alexandre, mais le bouche avec racine bras tremblement de terre. Gros salle de confiance, c'est côté gros soldats qui ont réuni avant la guerre pour qu'on s'en fait. Mais pour que ça va de l'électricité, le débris c'était coton, qu'on a fait le masquiti, pour que tu as fait touche pour éclairer. Gros cachot, son prison te fait plus 6 ans qu'à. Et même le fossé a gagné de retourner. Mais le fossé n'a pas jamais arrivé à retourner en Haïti. Parce que quand il faut en Haïti, il n'a pas participé dans la guerre. Il y a un esclave qui a fait le tricol mettre là-dedans. Ça n'a pas fait travailler pour eux. Il a tué pour eux pour qu'il n'y ait plus fort. Mais pour que ça va gagner du sable de ciment, il y a du sable, mais il n'y a pas de l'utiliser. C'était avec 100 personnes, 100 bêtes, 110 fées, bagasses. Si vous la chose ici, il n'y a plus fort. Et en 1984, ce jour Claude Duvalier, il se pose de la culture pour faire restauration de fort avec un petit ciment. Je suis un peu de temps, c'est lui qui est original depuis 1805, réparé par Jim Fetladen. Et ça, pour les soldats qui ont dormi, l'époque ça va être carbone, les soldats qui ont dormi sur notre qui était relaté meilleur. Je suis un peu de 12 canons sous foie, gros canons tirés 23 km de long, on quitte fait cadeau là et la reine Elisabeth, George Rex, et d'Angleterre. Canon ça va être secret esclave de ville. Secret parle de level au-dessus de 25, il dit pour 25 level. 25 par le level de tuer 20, il fait 5 level. Reste 11 canoës, tiré 17 km de long. Pour sauter là, il peut chauffer les 15 km, car à l'époque, ça la mer était plus près. Ou bien, on fout quand on fait pain, les pâtes de farine de blé pour te faire pain. C'est mal que on utilise pour te faire pain. Le terrain est plus à cabiche. Ou ça, la munition, quand on se réserve un boulet de canoë, on laisse 97 sous préval, il fait tenir ça à l'exposition. Il faut te copier mon imaginaire d'Haïti en Candon. Mais, Fort Alexandre lui-même, il était mal construit parce que Fort Jacques lui-même était mal construit. Il était besoin de dominer l'Est. Fort Jacques lui-même, c'est l'Ouest qui a dominé, ça veut dire qu'il a dominé tout Port-au-Prince. Alexandre, même si on montait son autre monde, il a construit Fort Alexandre pour qu'il ait dominé tout le quatre pays. Fort Alexandre n'a pas fini à achever à cause de la mort de Dessalines en 1806. Dessalines mourut le 17 octobre 1806 à l'entrée du Port-au-Prince au Pont Rouge. Mais c'est après la guerre vertière, 18 novembre 1803. Pour que Jacques Dessalines ait dégagé ça, il voulait passer Alexandre Pétion-Lord. Pour qu'on construise un fort sur toute montagne qui est capable de dominer des villes, Alexandre Pesso s'est affranchi. L'Italie a acheté des développements en France. L'Italie a fait un fort pour le fort pour qu'on construise en Haïti. Fini, oui, c'est ça, M'Dekadino. C'est pas fini. La deuxième langue officielle de la République est aussi disponible dans la bouche de Tidjo. Écoutons-le. Quand ça, ici, c'est deux forts. Ici, c'est Fort Jacques, Fort Alexandre plus haut sur l'autre montagne. Maintenant, il y a un réservoir à l'intérieur du fort qui mesure 16 pieds et demi de profondeur. Maintenant, c'est 8 pieds et demi de l'eau, 8 pieds de déchets. À l'époque, ces trois pays en guerre, c'est l'Espagne, la France, l'Angleterre. L'Espagne a demandé à Haïti la guerre. La demande à Haïti qu'il avait. Haïti dit maintenant, je flèche pour l'ambi. L'Espagne va au dictionnaire pareil. Nous comprenons flèche, mais on n'a pas compris pas pour l'ambi. Il a donné à Haïti pour la victoire. Maintenant, il y a 12 canons sous le fort. Il y a un canon dans l'Angleterre qui nous donne à Haïti. Le canon là tire 23 km de long. On a donné 50 esclaves pour soulever. 50 ne peut soulever, on tire 25. Il a dit reste 25 soulevés. 25 ne peut soulever, on tire 20. 5 soulevés. Maintenant, c'est comme ça que je t'ai dit. L'histoire,
un perpétuel recommencement, dit-on. Tidjo poursuit son récit, mais cette fois dans une autre langue. Dit que ça dit six tout fois. This is for Jack, it's for Alexander over there. It's not finished. Because it's a Linda 1806. It's for Jack Constitution 1805 after independence 1804. One spoon, 16 feet. One oven, bread cookies. One munition. One mission open. One mission is closed. One room, a sleeping soldiers. One town, one gun to Fort Alexon. One town is closed. One jail, French people. French people don't come back Haiti. French people come back Haiti or going to jail. 12 Kenem. One Kenem English, 11 Kenem French. One Kenem English shoot 22 kilometers. 11 Kenem French shoot 70 kilometers. You give the 50 soldiers, I don't kill some Kenem English. 50 no don't kill, you die 25. You have a 25 no leave. You die 25 when you kill some Kenem. You know, I park some Kenem in Mobile, 1994, restore some Kenem. The Saline die won in the Southern October 1806. Finish the story in English. Yes, thank you. Surtout, ne demande pas à Tidjo de vous conter ça en espagnol. Les quelques rares notions qu'il détient lui servent d'atout pour soutirer de l'argent aux visiteurs parlant la langue de Cervantes. Comment s'y est-il pris? D'où lui vient tout ce savoir, se demande-t-on. Il y a des secrets que beaucoup d'entre vous ignorent. Pourtant, Tidjo a la réponse. Gimble là, les ovins avec guide spécial et tout en bon. Mon capon dit pour y'a ça. Moi, les m'a expliqué en créole. Chaque ça m'a là dit. Les cap guide blanc, les mêmes, depuis le Dubaï, moi, m'a bel. Ça fait combien de temps depuis que vous avez monté et descendu dans ce site là? Moi-même, pas très longtemps. Hein? Est-ce que l'école pour Kembe tout bail ça dans tête ou est-ce qu'on lit? Oui, on lit, oui. À qui classe arrive? Dans l'école. Pétionville, camarade de POD. Est-ce qu'on est toujours à l'école? Non, parce que papa me fait une fou, maman me fait une mourir. Est-ce qu'on t'a remis à l'école? Oui. Est-ce que vous parlez avec moun pour t'a dire qu'on remis à, ou t'a voulu à l'école? Les gens, là, ils viennent là, ils m'ont dit, 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 Jeff, Pierre Jefferson, Jean-Baptiste. Et si vous avez supposé faire une histoire en espagnol, comme on dit, on parle trois fois en espagnol. Ben, on dit un petit espagnol. Là, on vient là. Si vous me demandez quoi, moi, je dis, on en espagnol. Parce qu'on est dans la vie complètement avec l'école là. Est-ce que vous avez parlé espagnol là tout? D'accord, mais ma femme, mais on est lui-même, il n'est pas difficile non, mais il est tellement léger, il faut dire lololo. Bon, on dit espagnol. Je m'avais expliqué une fois en espagnol. Depuis que je montre bleu après ça, je dis deux fautes. Ça, vous comprenez ça. Je dis à qui faut Jacques, à qui faut Alexon. Vous comprenez ça. Je dis un tunnel relié là, il faut Alexon. Vous comprenez ça. Et puis, je finis avec vous. Et là, vous dites pour payer vous. Merci. Vas-y, pour payer nous. Gagnez les arrivées. Vous comprenez, les arrivées pour la machine. Non. Vous la gombez nous-mêmes. Et c'est avec l'argent ça que vous vivez? Oui. Et qui sort fait avec l'argent? Acheter un billet. Manger. Et pour jeudi, là, vous mangez déjà? Non, parce que je n'ai pas de cob. Est-ce que vous espérez jouer une cob jeudi? I don't know, je ne sais pas. Les amis, excusez-moi, je me chape en anglais. Cependant, Tidjo, âgé de 13 ans, aimerait bien manger à sa faim, aller à l'école comme les autres enfants d'Haïti, avoir des loisirs. Malheureusement, orphelin de mère, les moyens lui font défaut. Aussi, on le trouvera toujours sur le parvis du Fort Jacques en train de conter des histoires. S'il vous plaît, en plusieurs langues.